Les répercussions de la baisse des prix du pétrole continuent de se faire sentir en Afrique. La BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, a révisé cette année la croissance de la région CEMAC à 1%. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale connaît un ralentissement économique depuis quelques années suite à la dégringolade des prix du baril de pétrole. La zone avait enregistré une croissance de 1,6% en 2015 et le Fonds monétaire international prévoyait qu'elle passerait à 1,7% en 2016. Des prévisions revues à la baisse, malgré une reprise timide dans le secteur pétrolier depuis quelques mois. Pourtant, le gouverneur de la BEAC avait auparavant recommandé aux pays de la CEMAC de diversifier leurs économies pour réduire leur dépendance au pétrole. L'ajustement s'impose. Lorsqu'à un moment donné, les pays dépendent d'un produit qu'ils exportent et le prix de ce produit est divisé par 3, par 4, vous comprenez que ça va impacter les recettes de cet État. 6 pays sont membres de la zone CEMAC, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Centrafrique, la Guinée équatoriale et le Tchad.